Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intemporel de ce mercredi 17 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin, pensée du 17 juillet, progression. Avoir le sentiment de progresser chaque jour rend plus heureux et plus calme. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Jamais seul ». Jamais seul. Par moments, pour certains d'entre vous, vous ressentez de la solitude. Et ce sentiment, eh bien, il peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, eh bien, nous la vivons tous un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, eh bien, à ce moment-là, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère, une personne de votre entourage, une personne de la famille. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Alors, prenez la responsabilité d'entretenir eh bien, des relations saines et enrichissantes avec vous-même en premier lieu. Et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie eh bien, plus jolie. Dans les moments de solitude, eh bien, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que cette compagnie, votre compagnie, elle est très agréable. Cette carte, elle vous souhaite également que, je ne dirais pas, elle vous souhaite également, elle souhaite vous rassurer, voilà. Elle souhaite vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Vous avez l'impression d'être seul, mais vous n'êtes pas seul. Soyez assuré qu'une présence divine est toujours à vos côtés. Utilisez-la pour rentrer en relation avec cette énergie qui se trouve en vous. Et vous verrez, vous ne serez jamais plus seul. Petit rituel de la solitude. Si vous ne vivez pas assez de moments de solitude, vous êtes invité à vous réserver du temps où vous entrez en contact avec la personne qui passera sa vie avec vous, c'est-à-dire vous-même, n'est-ce pas? Apprenez à vous connaître à travers des moments de solitude et appréciez votre propre compagnie. Traitez-vous comme si vous étiez, eh bien, votre meilleur ami ou amie. Si au contraire, vous vivez trop de solitude et d'isolement,
Eh bien, à ce moment-là, il est temps pour vous d'aller à la rencontre de gens qui vous stimulent et qui vous permettent de vivre des moments de plaisir dans l'aisance, la liberté, l'amour inconditionnel. Alors, il y a des tas de façons, et notamment, faites partie d'un groupe sur Facebook privé pour échanger avec des femmes de lumière. Beau message, n'est-ce pas? Jamais seul. Je termine avec la pensée positive pour aujourd'hui. Voilà. Je suis éternelle et intemporelle. Je suis au-dessus et au-delà de mon corps, de mes pensées et de mon ego. Je suis le témoin et l'interprète. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel. Et puis, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.